Back in the Valley of Monkeys, in the Cimmeria territory, in the early hours of the morning, one of the females has just given birth right in front of the nurses. Just a few seconds after its first breath, the baby is already clinging under his mother's belly. She doesn't wait long before introducing it to the rest of the group. The newborn is a female, Olya, born without any difficulty. Alors, est-ce qu'il y a des mamans là? Oui, il y a une maman. Et du coup, c'est Oraya. Voilà, donc c'est parfait. C'est elle. Donc c'est elle qui vient d'avoir un petit bébé? Voilà, c'est elle. Donc un grand bébé. Normalement, ils font 90-100 grammes à la naissance. Lui, je pense qu'il faisait un peu plus. Et c'est son premier bébé. Et donc le bébé, après, il est agrippé sur le dos. Comment ça se passe? Ah voilà, il reste collé à maman. Et quand il a envie de téter, elle a juste à lever le bras. Il vient dessous, il tète, tac-tac, et il se remet. Et généralement, il se rendort. C'est comme nous, c'est des nourrissons, donc ils font manger, dormir, voilà, principalement. Mais il ne peut pas se décrocher, ils ont la force nécessaire pour... Ouais, tout à fait, ouais. Ils ont une grande force. Il y a 5 mois de gestation, donc c'est assez long pour un petit singe comme ça. Mais un bébé Cimmeria, il va naître déjà fini, on va dire. Pas comme nous, où c'est vrai qu'on est très assistés quand on est petit. Eux, ils vont pouvoir s'agripper tout seuls au poil de leur maman et dormir comme ça aussi également. Ils ont un truc dans le cerveau qui fait qu'ils peuvent dormir accrochés à leur maman, tout simplement. Olya will cling to her mother like that for another 3 months. If everything is fine, she will become independent. And one day, who knows, she might also give birth to a baby.